Hey yo les crocs, c'est Toshikro, bienvenue aujourd'hui sur, attention, RE77. Qu'est-ce que RE77? Là, vous vous posez la question, et eh bien je vais vous répondre tout de suite. RE77 reprend exactement le même principe que Silent Hill Pity. Donc d'une façon très réaliste, on va vivre une expérience, je pense, très flippante. Voilà, il y a rien à dire de plus. Alors, faut que j'appuie sur espace pour continuer. Donc, on appuie sur espace. Écoutez les crocs, c'est parti. J'espère que ça va être sympa. Et pas trop flippant parce que mon petit cœur commence à devenir assez faible. Ah, ça y est, nous jouons. Alors, déjà, la particularité là, ce que je vois, bah, c'est que je ne vois rien du tout en fait. Je n'ai pas du tout de lampe. Waouh, on n'y voit rien. Ah, c'est mieux. Nous avons la lampe, on peut y aller. Première mission, trouver la lampe. C'est bon, c'est fait. Nickel. Ah oui, on voit déjà un peu mieux. Bon, c'est pas encore... c'est pas encore très lumineux, mais ça passe. Je vais mettre le son à fond dans mes oreilles. Écoutez, écoute, j'espère que ça sera cool. Ce jeu a une réputation de malade. C'est censé être l'horror game du moment. RE77. D'ailleurs, il est magnifique. Hein. C'est clair et net qu'il est magnifique. Ah, petite balle. Il y a une petite balle. Il y a une petite balle à terre. Alors par contre, il y a un truc que je piche pas. Il fait jour dehors. Mais à l'intérieur, c'est pire que la nuit. Va comprendre. Ok, donc il y a une balle ici, il y a une porte. Princess. Ok, ça devait être donc la chambre d'une princesse. Oh! La lampe vient de s'allumer. Ça, c'est bon signe, ça. Plus il y a de lumière, mieux c'est, je pense. Regardez, il y a la clope qui est encore en train de fumer. Ça, c'est le genre de signe qui ne trompe pas. Ça veut dire que quelqu'un est passé juste avant moi. Espèce d'enfoiré, montre-toi. Ok, bon, bah écoutez, pour l'instant, nickel. Nous entamons notre troisième couloir. Ok, la balle est toujours là. La balle est toujours là. Ah, d'ailleurs, il fait... Ah non, j'allais dire, il fait nuit dehors, mais non, pas du tout. Ok, bon, ça ne change pas. Ah! Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Ok, cette putain de porte vient de se fermer devant moi. Je pense qu'on est dans la merde. On va retourner en arrière, les crocs, du coup. Ok, la balle est en train de bouger toute seule. J'ai envie de te dire que ça craint un peu, là. Oh là. Ok, on se barre. On se barre. On se tire d'ici. Putain, merde, c'est toujours fermé. Ouh, démon, montre-toi. Ok, donc la balle est toujours en train de bouger. What the fuck is that? Oh, c'est quoi cette ombre? What? Pourquoi ma tête elle bouge comme ça? Oh là là, mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose qui se balade dans les murs de cette maison. Ah, j'aime pas trop ça. Regardez ma tête, regardez l'ombre. Regardez l'ombre de ma tête. En fait, moi, ce qui me fait le plus flipper, c'est mon ombre, vous voyez? C'est le genre d'ombre qui te dit, putain, t'es dans la merde. What? Il fait tout noir. Il fait tout noir. Je ne peux... F to flashlight. Oh putain, il fait tout vert. Ah, il fait tout vert maintenant. Ok, il fait tout vert. Tout va bien. Nous sommes en vie, les crocs, nickel. On continue dans la joie et la bonne humeur. Hein. Alors, on est où, là, putain? On n'y voit que dalle. Ah, on n'y voit absolument rien, c'est encore pire. Ok, je ne veux pas d'histoire. Bon, est-ce que la porte va s'ouvrir maintenant? Il y a eu quoi là? Ok, je m'en tape, je fonce. Eh merde, c'est fermé. Oh la galère. Ok, alors là c'est le moment de se tirer. Non, tu déconnes. Ok, on va avancer.
Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, tout va bien. Non, je n'ai pas eu peur. Eh, je n'ai pas eu peur, ok? Juste un petit coup de stress. Ok, les lumières viennent de se rallumer, c'est nickel. On va rallumer notre lampe, du coup. Est-ce que la porte va s'ouvrir maintenant? Ouais! Yes! Nickel. Ouh. Teddy, toujours là. Toujours là. La balle, toujours là. Ok, maintenant... Ah, tiens, d'ailleurs, maintenant, il fait nuit. Ça y est, je me trompe pas. Il fait bien nuit, il pleut. La clope ne fume plus. Ça, c'est le genre de détail. Putain, je crois que j'entends marcher derrière moi. Je suis peut-être en train de rêver, mais... Je vais pas me retourner pour le savoir. Je vais juste continuer à marcher. Ouais. Il y a quelqu'un qui est en train de marcher derrière moi. Il y a quelqu'un qui est en train de marcher derrière moi. Oh putain, je vous jure, il y a quelqu'un derrière moi. Je peux pas me retourner les creuses. Oh, c'est juste derrière moi. Non, arrête, tu déconnes, je me retourne pas. Ok. Oh putain, faut se retourner, on n'a pas le choix. Si on veut avancer dans le jeu, faut qu'on se retourne. Ok. Non, non, j'ai pas halluciné, il y a vraiment eu... Putain, ça recommence. Oh ta gueule, c'est juste derrière moi. Non, 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 non. C'est juste derrière moi. Ah, oh, je suis pas bien. Putain, faut que je me retourne. 3, 2, 1. C'est quoi, on va marcher comme ça maintenant? On va marcher en marche arrière. C'est mort. Putain, les crozes. Il se passe quoi là? Ah putain, ça se... Ah putain de con, je m'en doutais. C'est fini? On a fini le jeu? Alors, je sais pas si on a fini le jeu. Je sais pas. J'en sais rien. Écoutez, Ecrose, bah du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Pour RE77, Alors, c'était extrêmement flippant, l'ambiance est terrible, mais il est très court. Je sais pas, en fait, je suis peut-être juste mort comme un con. En tout cas, Ecrose, j'ai vraiment adoré ce jeu, j'espère que vous l'aurez apprécié aussi et que vous aurez apprécié cette vidéo. Et d'ailleurs, juste avant de partir, j'aimerais préciser une petite chose. Je vais commencer les vidéos, essayer de ne pas avoir peur. Donc, pour les Ecrose qui auraient des vidéos... assez flippante. Et bien écoutez, envoyez-les moi sur Twitter ou Facebook. Vous avez tout dans la description. Envoyez-moi vos vidéos les plus flippantes, les gros, ça sera pour donc les prochains. Essayez de ne pas avoir peur. Je vais m'y mettre, je vais m'y coller. Mais j'aimerais regarder vos propres vidéos et pas les vidéos d'autres youtubeurs qui font ce genre de choses. Voilà, écoutez les gros, c'est tout pour moi. À la prochaine, portez-vous bien et ciao.